Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une première vidéo de l'année 2022, comme vous avez vu. Et effectivement, j'ai pas fait de vidéo puisque avec tout ce qui s'est passé 2022, j'étais un peu triste de voir que j'allais pas faire les fêtes de Noël comme d'habitude, comme avant et tout. Et comme je l'avais toujours dit, le jour qui s'est passé, je veux dire, excusez-moi, en le mois de mai 2020. Et je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de juin, je crois que c'était le mois de juin. J'ai fait une vidéo, si vous allez la voir, vous allez comprendre. Bon, je ne vais pas vous faire des détails. Voilà, c'est triste ce qui m'est arrivé. Bon, il fallait que ça arrive une année. Et puis, toutes les années qui se passaient, ben, je disais, ça va arriver. J'espère que ça vient le plus loin possible, que ça ne vient pas plus vite. Et puis voilà, comme vous avez vu, j'ai perdu quelqu'un qui était vraiment qui est cher pour moi, mon père. Et puis voilà, c'est pour ça que bon, j'avais des pensées et tout. Et alors je me suis dit, bon, cette année, je ne vais pas faire trop de vidéos fin de fête, fin d'année 2021. Et puis voilà, tout simplement, voilà, comme la galette des rois, tous ces trucs-là, je ne voulais pas le faire parce que je sais que je le faisais avec lui, etc. Il y a plein de choses que je faisais avec lui. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo aujourd'hui, les amis. C'est pas trop de blabla, mais on va déguster aujourd'hui. Je vais déguster pour reprendre l'année, reprendre les dégustations. On va manger, on va cogiter les pâtes aujourd'hui. Et puis on va les activer. Et puis j'espère que ça va bien se passer parce que là c'est des pâtes japonaises asiatiques qui sont très piquantes. Et c'est la première fois que j'essaye ça, les amis. Que j'essaye cette quantité de pâtes. Vous avez vu l'année dernière, j'avais fait la vidéo des nouilles, des petites nouilles qui étaient très très bon. Et là aujourd'hui, j'ai pris des nouilles aux crevettes et des nouilles pour faire la vidéo vraiment piquant et vraiment très piquant. Je veux comparer entre ça et le vrai piment africain, voir si ça c'est plus fort que le piment africain que je connais, puisque moi j'aime bien ce qui est épicé et tout. Donc c'est parti les amis, nous allons déguster. Là j'ai réchauffé, j'ai préparé mon plat est prêt, enfin mon petit bol est prêt, et puis je vais déguster. Et j'espère que je ne vais pas décéder, puisque si je décède dans ces conditions, c'est dommage. Si je commence l'année 2022 en décédant, tant pis pour moi, tant pis. Bon, nous allons déguster ce plat asiatique. C'est parti les amis, comme vous avez vu, voilà, c'est cela que je veux manger. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, bon, je ne vais pas tarder, je ne vais pas trop discuter, parce que là je fais le malin, je vais souffrir peut-être bien et bon tout à l'heure. Peut-être que je vais me retrouver allongé par terre là, bien par terre là, et que je vais faire comme la dernière vidéo avec les bonbons, je vais faire un malaise, peut-être, je ne sais pas. Ou peut-être que je vais faire un coma, là j'aurai pas le temps de faire la vidéo, peut-être que... quand je sortirai du coma, je pourrai vous publier la vidéo. Bien sûr, excusez-moi, je dis des conneries, j'aime bien dire des conneries. Parce que là, je ne sais pas comment je vais réagir, parce que là, ça va chauffer. Alors, j'ai besoin de parler avant que je souffre. Bon, allez, c'est parti, j'arrête de parler. Je sais que vous n'aimez pas quand je parle. Allez, c'est parti. Bon, là, en fait, j'ai mis de l'eau chaude pour bien que les... Bon, moi, je vais les appeler les pâtes, hein. Ça s'appelle... C'est des pâtes japonaises, moi je vais les appeler les pâtes, puisque c'est comme des pâtes, hein. Regardez, c'est magnifique, magnifique, extraordinaire. Bon, maintenant, c'est parti, j'arrête de discuter. On va mettre l'assaisonnement. Bon, il y a les assaisonnements, j'arrive pas à le dire. Bon, ça c'est... Je sais pas c'est quoi, mais bon, regardez un peu. C'est un peu du assaisonnement, j'ai du mal à vous montrer. Un peu spécial, l'assaisonnement. Très spécial. Un assaisonnement de bonne qualité. Bon, c'est parti, bon, dire de la qualité, puisque là, je fais le malin. J'ai fait nourrir le suspense, puisque je sais que je vais souffrir, puisque là, je sais que la souffrance, elle est dans le bol. Et quand je veux consommer, peut-être que je ne vais pas finir. Donc voilà, il faut que j'arrête de discuter. Si je souffre, qui m'a envoyé là, moi aussi, à souffrir tout seul? Je suis là, je veux faire une vidéo, je veux souffrir.
Et pour vous dire aussi, j'ai tout préparé hein, pour la souffrance. Hein. Du jus d'orange, du lait. En fait, c'est un mélange du lait avec du sirop de fraise, voilà. Un sirop de fraise que j'ai mélangé dans mon lait. Vous allez dire, bon, je suis spécial. Et j'ai acheté aussi ça. Hein. Bon, j'ai enlevé l'étiquette là, l'étiquette là. C'était pas le prix, c'était une étiquette bizarre. C'est un jus de fraise, je sais pas, façon asiatique. Je sais pas si vous connaissez ce jus de fraise asiatique. Bon, je vais goûter ça, hein. On va le goûter ensemble. Puis voilà quoi. D'abord, avant de faire ça, et je n'oublie pas aussi l'eau, parce que c'est très important pour le sang. Le sang a besoin de l'eau. C'est la qualité, l'eau. Si tu n'as pas de l'eau, le sang, il est en difficulté. Donc avec l'eau, le sang, il est bien. On a un sang de bonne qualité dans mon corps qui travaille bien, quoi. Bon, bah, j'arrête de parler, parce que je parle trop. Bon, allez, c'est parti. J'ai peur, hein. C'est vrai que je sais pas qu'est-ce qui va m'arriver. Bon. Je mets la sauce piquante, parce que ça, c'est ce qui pique. C'est ce qui fait que ça a piqué, quoi. Voilà, je mets. En fait, je sais pas, moi, je dis que tu peux mettre tout. C'est comment? Coucou! Ah non, arrête, j'ai trop mis, là. Aïe, je vais souffrir, en fait. En vérité, je vais souffrir. Non. Bah, je pense qu'il faut tout mettre, parce que j'ai vu dans la vidéo, il y en a, ils ont tout mis. Je sais pas, hein, je sais pas pour vous, moi, je sais pas. Déjà, là, j'ai déjà bien mis beaucoup. Mais de toute façon, après, je vais faire quoi? Je vais le jeter, alors. Quitte à souffrir une bonne fois pour toutes. On va pas y passer la nuit, là, parce que là, je suis en train d'y passer la nuit. C'est malheureux, je suis en train d'y passer la nuit. Bon, allez. C'est parti, les amis. Attendez une seconde. Il faut que je pense que je vais verser l'eau, parce que là, il y a un peu trop d'eau, là, je crois. Je crois que en niveau d'eau, je sais pas, mais bon. Voilà, quoi. Il y a un peu trop d'eau, hein. Vous allez regarder là, il y a un peu trop d'eau, donc je vais verser un peu pour faire ma première bouchette, les gars. Je sais même plus ce que je dis, putain. C'est vrai que ça sent le piquant là, je sens ma souffrance. je sais pas, mais là je sens la souffrance. Attendez une seconde. J'ai versé parce qu'il y avait un peu trop d'eau chaude. Et voilà. Que le résultat est là, je sais pas si vous voyez, le résultat est là. On dirait des pâtes, hein. Moi je vais appeler ça des pâtes. Hein. Bon, moi j'appelle ça des pâtes. Hein. Le nom est marqué dessus, mais bon, moi j'appelle ça des pâtes. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Bon, j'arrête de faire le comédien là, c'est bon. Comme vous aimez, maintenant ils aiment bien dire, c'est un comédien. Oui, je suis comédien. Allez, bon, allez, c'est alors, j'arrête de parler, je marche, allez, c'est parti. Je sais pas si je vais réussir à finir. Ah, c'est la souffrance, ça y est. Bah, allez, faut résister. Ah ouais, c'est vrai, on souffre. Hein. Si. Non, je crois que c'est comme le piment. Non, je vais arrêter de résister, les amis. Hein. Je vais arrêter parce que là, je fais de la résistance. Là. Je pense que j'arriverai à le finir, mais... ça va être dur. Je sais pas si je vais pas aller aux toilettes tout à l'heure parce que là. Ah, ça fait du bien quand même. Mais la lèvre en fait autour de la lèvre, elle est déjà. La lèvre en fait, ça chauffe de partout. Bah, je suis un guerrier. Bon, je vais quand même goûter ce produit là puisque c'est un produit. De qualité, je vais vous dire s'il est bon. Quand vous allez dans les magasins asiatiques, si vous voyez ce jus soi-disant à la fraise, mélange de, je sais pas si c'est mélange de poire, mais bon, enfin bref, je vais goûter ça. J'espère que ça va passer puisque là, je suis en train de souffrir là. C'est pas le moment, hein.
Ça sent bon. En plus, il y a des petits produits dedans, je sais pas, des petits fruits dedans. Je pense la fraise, ça se voit pas en fait. Dans la vidéo, on voit pas, je sais pas si vous voyez bien. On voit pas, mais en fait, c'est des petits produits, il y a des petites, je pense, des petits morceaux de fraises. Ah ouais, c'est bon ça. Ah, ça me soulage. Bah allez, je suis guerrier, il faut que je finisse. Il faut que je finisse, les amis. Il faut que je finisse. Mais c'est dur, hein, franchement, Anam, ça chauffe. Ceux qui disaient que ça chauffe dans les vidéos, vous dites que ça chauffe. Oui, c'est vrai, ça chauffe. Mais il faut s'organiser avant de manger quelque chose d'épicé autant comme ça. Parce que si on ne s'organise pas, on va courir de partout, aller boire et tout. Non, non. S'organiser. Moi, j'ai ce qu'il faut. J'ai mon petit jus, là, de soi-disant fraise, enfin, bref. Je sais pas si vous voyez bien le produit. Voilà, que j'ai acheté au magasin asiatique. Avec mon lait, mon jus, mon eau. C'est bon, je suis bien. Mais je peux me battre. Mais franchement, je sens toujours le combat qui est là. Que ça chauffe et tout. Bah, allez, une dernière gorgée, les amis. Ah, c'est dur quand même. Ça chauffe vraiment. Là, c'est là. Non, arrête. Non, non, j'arrête. Arrête. Non. Bon, j'arrête là. Ah, il faut essayer de calmer. Il faut faire quelque chose là. Il faut arrêter la vidéo là. Ah, non, non, je vais faire un coma là. C'est quoi ça? Non, non, non. Il faut que je me calme. Il faut que je me calme. Parce que là, ça commence à vraiment chauffer. Il faut que je calme le jeu avant de finir. Doucement, David. Parce que là c'est très très dur. Hein. Franchement, ça chauffe quand même. Vous regardez la vidéo comme ça, mais allez l'acheter. Vous allez voir quand même, quand vous mettez tout l'épicement, ça chauffe vraiment, vraiment costaud. Hein. Voilà les amis, c'est fini. La vidéo touche à sa fin. Franchement, c'était vraiment la souffrance. Là, j'ai encore j'ai la lèvre qui me chauffe et tout. Je lutte là. Là, c'est la survie que je fais là. Franchement, ça fait vraiment. Ça chauffe vraiment. C'est. Franchement, en période de Covid, tout ça, tout ce que vous voulez, c'est vrai que ça désinfecte. Et si jamais j'avais le Covid ou bien si jamais il y a des microbes qui veulent se développer, ça les tue direct. Ça les a. Pif, ils explosent comme ça, comme des petites bulles. Pif, pif. Dans ma gorge, tout ça là. Ça classe. Clac, clac, clac. Ça me désinfecte le. Je dis des conneries, ça me désinfecte l'estomac, quoi. Ça désinfecte. Mais bon, voilà, quoi. Il faut quand même dire que c'est très dangereux, quand même. Franchement, ça chauffe vraiment. C'est pas pour dire, mais ça chauffe vraiment trop, 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 trop. Là, je parle, mais. Je vais arrêter la vidéo parce qu'il faut que j'aille boire bien, parce que là quand même, c'est là, je lutte. Là, c'est la survie. Je lutte. Mais j'ai voulu faire mon malin, voilà. J'assume maintenant. J'assume, je souffre, voilà, c'est comme ça. Bon, voilà. Les gars, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et puis, une bonne année à vous et une bonne santé, merveilleux. Cette année 2022 sera meilleure, surtout autant pour tout le monde, tout le monde qui a fait une mauvaise année 2021. Et pour moi aussi qui a fait une 2021, fin 2021 qui n'était pas assez géniale. Maintenant, comme je le disais avant, ça va arriver, et bien maintenant ça a arrivé. Voilà. Maintenant, j'ai perdu quelqu'un que je pense beaucoup. Voilà, c'est pour ça. Bon, après, des fois, je n'étais pas motivé pour faire de vidéo. Hein. Je veux vous le dire, je vous dis la vérité, je n'étais pas motivé. Parce que voilà, je pensais à des émotions, de dire que normalement je vais le voir et tout, on s'amuse et tout. Mais bon, maintenant c'est fini. Il est au ciel, il me voit, et puis voilà, mon père il n'est plus là. Puis, bon. Maintenant, il faut que j'avance dans la vie. Je sais, on me dit, il faut que j'avance. J'ai du mal deux fois, c'est pour ça que je fais pas de vidéo. Voilà. Excusez-moi, mais c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Tout le monde connaît, hein. Tout le monde est passé par là. Donc voilà, moi je suis passé par là plusieurs fois. Et maintenant, c'était le dernier, c'était mon père, donc voilà. Bon voilà, ça n'a rien à voir dans la vidéo. Bon, c'était une vidéo de dégustation. Mais bon, je tiens quand même à vous dire que j'ai du mal à faire des vidéos ces derniers temps. Parce que voilà,
les émotions deux fois reviennent et puis je pense au bon moment que je devais faire ce mois-ci et ce mois-ci de janvier que je devais faire. Bon, je ne vais pas vous en parler plus parce que c'est bon, je ne suis pas là pour commencer à... Mais bon, il faut quand même que je parle quand même, il faut quand même que je fasse une vidéo pour parler. On discute, mais j'ai chaud là, franchement. Franchement, c'est trop piquant. Je vais aller me doucher une douche froide là, parce que là, oh là là. Je commence à avoir chaud, je parle trop. Plus en plus, ça me chauffe, plus je parle. Et que j'aille boire, moi, qu'est-ce que je discute? Je discute trop. Bon, allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo, les amis. Et prenez bien soin de vous. Et encore une fois, bonne année et bonne santé, bien sûr. Surtout la santé, c'est le plus important.